oui, celui-là, je le kiffe. Enfin, je dis je le kiffe, mais en vrai, je sais pas. Parce que s'il faut, je vais me planter lamentablement. Mais lui, je sais que la première fois que je l'avais fait, donc sur mon deuxième perso, je l'avais réussi one shot. Genre, limite, j'étais déçu parce que les conditions et tout, genre, c'est en mode orage, c'est vraiment stylé. J'espère que je vais réussir. Hein. C'est dans quoi Ah ouais. C'est apocalyptique, quoi. Voilà, voilà, putain, il m'a fait sursauter l'éclair. Hein. Wow! Ah ouais, j'avais oublié que les éclairs ils étaient synchro avec les problèmes moteurs. Hein. Ouais, vraiment stylé cette mission. Hein. Ah ouais, je peux plus tourner. Ouais, ça a niqué le gouvernail, donc t'es obligé de t'aider des joysticks pour tourner, ce qui est très très bourbier avec un titan quand même, parce que c'est pas très maniable. Et là, il t'en coupe un deuxième, là, à un moment, je crois. Je me demande si t'as pas les 4 de couper à la fin. Ah ouais, 37 000, putain, ça régale. Ah voilà, ça, j'aime pas celui-là. Oh, ah, je l'aime pas du tout, lui. Lui, il va être chiant, lui. Et merde. Oui, d'accord. Comment on fait pour recommencer? Ok, bon, je crois qu'il y a un moyen plus simple de recommencer, mais sauter ça marche aussi. Là, faut vraiment s'aligner avec le camion. Ah putain, j'étais presque aligné. Bon, là, ça sert à rien, je suis en argent. Allez, 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 allez. Non! Ah si, putain. Ça, je vous dis, je vais recommencer plein de fois. Hein. Je couperai peut-être certaines prises parce que ça va vraiment durer longtemps, à mon avis. Mais, allez, pose-toi. Oui, c'est bon là. Oh! Bon bah du coup voilà, il n'y aura pas 36 prises. Yes! Ah je suis content, putain, j'ai jamais réussi aussi vite celui-là. Hein. C'est vraiment à chaque fois, c'est je l'ai recommencé 50 fois, je m'énervais et tout. Ah ouais, 18 000 par contre. Ah bah si, merde. Hein. C'est ouf parce que les sommes gagnées sont pas du tout proportionnelles à la difficulté. Ah celui-là il est chiant aussi. Celui-là en fait, quand le premier coup que je fais à chaque fois, je recommence 3-4 fois parce que je fais n'importe quoi. Et une fois que t'as compris, ça va. Mais c'est quand même chiant. Faut vraiment se concentrer sur le cercle jaune et rester dedans. Quoi. Faut pas tout le temps bombarder, faut vraiment rester, se concentrer sur le cercle. Faut gratter le maximum de points. Non! Tra, je galère trop à le piloter cet avion. Non, je fais de la merde. À chaque fois, c'est là, je fais de la merde. Putain, j'étais presque 600, fait chier. Il manquait pas grand-chose. Bon, on va recommencer, ça devrait faire. Je suis trop instable, en fait. Enfin, l'avion est trop sensible. Du coup, tu montes, tu descends. En fait, faut vraiment faut y aller à tâtons, quoi. Faut à peine toucher le joystick. Non, on est quand même beaucoup plus stable. Hein. En fait, faut lâcher, faut pas toucher le joystick. Quoi. Une fois que t'es bien en place et que tu vois que t'es à peu près plat, faut jouer avec le gouvernail R1 et L1, mais faut pas trop titiller le joystick. Hein. Voilà, là, ça va être l'étape un peu tendax. Voilà, toujours la fin du looping, hein. Je sais pas comment ils font pour rester dans le cercle, enfin, ils ont pas de cercle, mais je sais pas ce qu'ils font de différent de moi. Là, tu vois, je suis sûr que je suis sorti. Oh, merde. Oh, je suis débile, putain. Pour
pourquoi j'ai fait un tour complet. Putain, je les avais les 600 en plus, là, je suis sûr. Ah, je suis dégoûté. Ah, ça m'énerve. Bon, je vais pas essayer d'aller vite, on s'en fout si la fin, je suis plus dans le vert. Oh putain, mais non, ça me casse les couilles. Non, putain, ça m'énerve. Putain, mais regarde tous les points que je perds là. Casse les couilles, ce truc de merde. Vas-y. Regarde ça, en plus, il me manque quasiment rien, quoi. Ta grosse merde, la putain de merde, défi à la con. Je vous dis, moi, je suis têtu, hein, je vais recommencer. Hein. Alors, je vais tout vous couper au montage, hein, vous inquiétez pas. Vous aurez que le résultat et les fails. Mais je tiens à avoir une médaille d'or à chaque fois, ça sert à rien de le faire, sinon... Je pense que le seul où je serai capable d'abandonner, c'est l'avant-dernier, justement. Il faut récupérer tous les points en un temps imparti, là. Je pense que celui-là, je vais vite abandonner, parce que je sais qu'il est insupportable. Si là t'es pas argent déjà, c'est que y a de grandes chances de fail. Parce que la fin, c'est quasiment impossible de suivre tout le looping dans le vert. Donc il faut vraiment gratter le maximum de points dès le début en fait. Voilà, tu vois, là je suis à 580, tout à l'heure j'étais à 549 là. Ok, bon, les 600 c'est bon, j'ai juste pas à me planter. C'est arrivé une fois que là, dans le dernier looping, je tape l'aile, mais genre juste sur la cinématique de fin. Donc ça m'a, voilà, j'ai tapé juste la seconde d'avant ça, donc ça m'a quand même compté l'or et j'étais content. Mais c'est un enfer ce truc là, faut vraiment gratter le max de points au départ. Hein. Enfin, bon, là celui-là est un peu chiant aussi. Eh putain, j'y étais pas du tout. Mais... Allez. Putain. Allez, c'est bon. Hein. Bim. Là, j'avoue, j'étais en stress quand même. Hein, parce que je me suis dit, putain, ça peut jouer à une cible. Et bon, ça va. Je sais que c'est plus simple ça, en première personne. Mais bon, vu que je maîtrise déjà pas trop les proportions de l'hélico, préfère y rester en troisième personne. Ah là là, bon, là, ça va commencer à être bien relou. Je m'hydrate. Allez, on est parti. Je crois que j'ai mis du temps à acheter cet avion justement parce qu'il m'a tellement traumatisé avec ses missions. Mais non, mais attends, mais je dis ça, mais je crois que je l'ai jamais acheté en fait sur PS5. Là c'est pareil, il faut pas tout le temps accélérer en fait parce que c'est un avion qui tient la route même si t'accélères pas. Ouais, c'était risqué ce que j'ai fait. Là. Mais quoi ? Mais lol, un petit coup d'eau et non. Ouais, j'étais sûr que ça passait pas là, je l'ai très mal engagé le pont. Ah bah chouette, un petit peu plus de pilotage. Voilà, typiquement quand c'est serré, vaut mieux pas trop accélérer. Quoi ? Vas-y. Non, hors de question que j'en rate un. Tu peux pas les rater par contre. Si tu les rates, je crois que ça te met automatiquement médaille d'argent et ainsi de suite. En fait, ouais, faut accélérer entre les points et après pour les choper, t'accélères pas pour être le plus bas possible. Soit c'est risqué là. Hein. Ouais, alors là, faut vraiment pas du tout accélérer parce que là, c'est très très tendu comme virage.
En fait, vous ne devez pas rester tout le temps bas. Hein. C'est vraiment les points que vous devez prendre le plus bas possible. C'est extrêmement dangereux. Et... quoi? Ah non! Ah oui, c'est un mètre! Putain, j'étais à 1,43, fait chier. Ah, dommage. Dommage, parce que je l'ai bien... Enfin, j'ai pris des risques et je le sentais bien, là. Bon, c'est dommage. Ah ouais, 1,37, putain. Bon, vas-y, ça, c'est faisable, c'est faisable. Faut que je reparte sur une bonne suite, comme ça. Là, c'est pareil, hein, au début, tant que c'est à peu près simple, il faut vraiment le prendre le plus bas possible pour que votre moyenne soit très très basse, en dessous de 1 au mieux, et vraiment à un grand maximum. Tant qu'on peut prendre les points bas, on les chope bas. Encore là. Putain, je suis toujours trop haut. Tu vois, il y a un point que j'ai pris haut là, mais il faut vraiment que tous les autres, je les prenne très très bas. Et bim! Voilà. Ouf, tu vois, là, j'ai pas accéléré du trajet entier, en fait. Tu peux ne jamais accélérer. C'est même très fortement conseillé pour passer la médaille d'or facilement. Bon, et ben voilà, le pire, hein. Je pense que je vais le passer, en fait. Enfin, je vais pas le passer, enfin, je vais le faire. Peu importe le temps que je fais, je ferai le dernier en or. Et après, je reviendrai dessus si j'ai la foi. On va faire comme ça. Ouais, lui, c'est vraiment le pire. Hein. Lui, c'est pareil, il faut vraiment accélérer, genre au début, là, tu vois. Faut accélérer entre les points, en fait. Dommage, j'ai cru que ça passait. Bon, j'ai dit que je vais arrêter de faire le fou, il faut vraiment que je passe les points. On s'en fout du temps, mon cerveau me pousse à bien faire le truc, mais en fait on s'en fout, il faut vraiment juste que je le passe. Pourquoi je fais le fou? Ouais, non, mais tu vois, faut vraiment bosser ton itinéraire de ouf pour le refaire 10 000 fois en fait, si tu veux vraiment optimiser ton trajet. Oh putain de grue de merde. Je suis même pas en train de tryhard, il me casse déjà les couilles ce truc. Bon, c'est risqué ça. Oh. Non. Putain, en plus j'ai sorti mes roues en paniquant là. Non, putain de merde. En fait, l'erreur, c'est de vouloir accélérer quand on redresse. C'est la pire des conneries à faire. Parce que quand t'accélères, tu fais du tout droit. Tu relèves difficilement. Putain, j'aurais pu le finir, là. Oh là là, ça me gonfle. Non! Mais non, mais fils de pute d'immeuble, putain de merde! Ouais, ça me rend ouf, là. Vraiment, ça me rend ouf. J'aurais pu avoir l'argent facile. Putain, je visais même pas l'or, quoi. Et j'aurais peut-être pu l'avoir, j'en sais rien. Ça me saoule. Elle m'a rendu taré, cette épreuve, je te jure. Comment je l'avais poncé quand ça avait été doublé il y a longtemps, là. Bah oui, évidemment. Putain de merde. Je perds patience. On n'est pas pressé. On finit, là. C'est juste ça, là. J'ai vraiment pas envie de taper l'or. J'en ai rien à foutre. Non ! Putain de merde. Nique sa grand-mère. Je fais une pause. J'en ai marre. Voilà, je sais pas s'il vient pour la guerre commerciale lui. Bon, il n'y a pas de voiture, on va prendre ça. Je crois que lui, il est pas au courant qu'il y a un accès derrière.
pour la guerre commerciale. Et en plus, il est mort. Oh, il est nul. Faut pas qu'il me voit passer par là. Ah non, c'est bon, il repart pas au bon endroit. Allez, démerde-toi, frérot. Tu connais pas les astuces. Ah oui, en plus, il y avait une figurine ici, des barres. Voilà, nickel. En plus, je crois qu'il n'a pas capté qu'on pouvait passer par derrière. Mais ça, ça finit dans ma boîte, frérot. Ok, allez, dépêche-toi. Allez, putain de chargement, c'est interminable. Le mec, il a le temps de ramener ça 10 fois. Putain, mais Rockstar, mais... Oh, putain... Ah, lui, il va essayer de ressortir par l'autre côté, vraiment, là. Ah non, mais attends, mais il se déplace en quoi, lui? Ah oui, d'accord, ok. Le mec, il doit être en MK2, en véhicule volant, là. Arrête. Le gars a vraiment volé un jet pour ça, quoi. Putain, j'ai pas acheté de lance-roquette visée auto, moi. Chier. Attends, je vais essayer d'aller le chercher, quand même. Je pense que j'aurais carrément pas le temps de le rattraper, mais sait-on jamais? Putain, non, laisse tomber. Il est où, déjà? Ah ouais... Ah, mais le frérot, il a aucune boîte de nuit, en fait. Il va dans le désert. T'es niveau combien, toi? Shrisemi, niveau 21. Ah non, 178. C'est bizarre, un peu, quand même. Niveau 178, il a pas de boîte de nuit? Ouais, tu me diras si c'est possible, hein, mais... Un peu louche. Est-ce que je pourrais pas la garder, cette petite bâtie, tiens? Je vais essayer de la mettre dans mon garage de boîte de nuit. Non. On peut pas. Bon, eh ben tant pis. Voilà. Il m'a fatigué, ces trucs de l'auto, pilote de école de pilotage. Bon, est-ce que je retente tout de suite? Pff, ouais. De toute façon, j'ai pas un temps illimité pour jouer. Et en plus de ça, je pourrais pas rejouer cette semaine. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut profiter de l'école de pilotage. Si je le fais pas maintenant, je sais que je le referai jamais. Donc, c'est quoi ça? On va le faire pour le faire. On s'en bat les couilles de la récompense or pour l'avant-dernier truc. Et le dernier, on va essayer de faire ça bien. Alors. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, carrément. Bon. Moi, je vais aller apprendre à piloter, hein. Ah ouais, d'accord. Le mec, il a carrément un convoi pour lui, quoi. Moi, j'ai même pas tilté tellement j'étais énervé tout à l'heure, mais je sais même plus combien j'ai gagné avec les trucs de pilotage, là. J'ai cru voir 300 000. Je sais plus. Enfin, je regarde au montage, mais j'étais tellement énervé, j'ai même pas fait gaffe. Genre, automatiquement, tu sais, j'ai transféré le truc sur mon compte en banque, mais aucune idée de combien j'ai gagné. C'est bon, le tuto, là. Tais-toi. Allez, tout en détente. Le but, c'est juste de le faire. On s'en fout de combien de temps. J'avoue que ce serait bien un petit argent, quand même. Mais... Allez, chill. Chill. Oh, d'accord, ok. Ma bite. Ah, la grue, putain. C'est là où ça devient mental, parce que là, il faut pas craquer, faut pas aller vite, parce que de toute façon, on vise pas le bonus. Lui, il est super dangereux, parce que si t'arrives de haut comme ça, tu peux tellement te planter facilement. Attends, on va faire dans l'ordre, on va commencer par ceux du haut, et après on ira en bas. Ok, donc là, les deux derniers sont tout en bas. On va prendre son temps. Ouh. Voilà. Ouais, on s'en bat les couilles. Ta gueule, c'est bon. Ah, t'as vu, le bronze, en vrai, si tu regardes vite, je suis sûr, un daltonien, il voit ça comme l'or. Hein. C'est bon. Pardon à tous les daltoniens, on vous aime, frère. Allez, dernier défi, normalement, ça passe tout seul. Ah bah ouais, mais le frérot, il fait ça à la dernière minute aussi. Moi, j'ai vu le truc bleu, je me suis dit dans quel sens il veut qu'on passe, là. Autant se mettre à l'envers dès le départ, hein. Ça sert vraiment rien d'attendre la dernière minute. C'est juste pour nous faire planter, ça. Ça change rien que tu te mettes à l'envers 15 ans avant, hein. Donc je te conseille de le faire. Tu vois, tac, comme ça tu peux stabiliser. Parce que voler à l'envers avec un Hydra, c'est pas compliqué, hein. Enfin, mais avec un laser, c'est pareil. Mais... Tu peux même faire tout le truc à l'envers, si tu veux. Oh, attends, je me suis retourné, c'est passé, quoi. Il faut tracer un peu dès qu'il y a de la ligne droite, parce qu'il y a quand même un temps à pas dépasser.
Voilà, nickel. Voilà. Bon, et ben ça c'est chouette. Voilà, donc je pense que l'avant-dernier, on le fera. J'en sais rien. Je sais pas quand est-ce qu'on le fera, mais pas tout de suite. C'est bon. J'ai eu ma dose. C'est piloté pour la journée. putain, j'ai fait plus d'une heure là. Hein. Juste pour faire ça. Hein. Et ben quittez, voilà, c'était très bien. Hein, merci. Bon, pourquoi ils m'ont mis sur l'aéroport, ces bouffons hein. T-shirt Elitas, nice. Combien j'ai? 95 000. On va mettre ça tout de suite. En banque. Dexter Morgan a quitté la partie. Le beau gosse. Si vous connaissez pas la série Dexter, que vous aimez bien les tueurs en série qui sont sympas, allez voir cette série. Même si la dernière saison de base était nulle à chier, ils ont rattrapé le coup avec une autre dernière saison du coup, qui se passe dans la neige et tout. Mais voilà, regardez pas avant d'avoir vu toutes les autres saisons. Hein. Sinon vous allez être gravement spoil, et ça serait un peu dommage. Il me casse les couilles. Attends, on peut passer là? C'est quoi ça? Si, c'est bien là, si je passe par-dessus le toit. Ah ouais, nickel, on va pouvoir descendre de l'autre côté. Et merde. Ah ouais, non, c'est bon, parfait. On tombe pas de très haut. Voilà.